Et bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Motel Simulator. You are lightning fast. Immense. Hop. Thanks. Et du coup, alors, vous me dites à chaque fois plein de trucs. Mettre l'arrêt de bus pour la boutique, faire ceci, faire cela, tout ça. Ok, y a pas de souci. Moi, j'aime bien jouer avec vous, vous le savez. Vos conseils sont toujours les bienvenus, vous le savez, tout ça, y a pas de souci. Le truc, c'est que quand vous me demandez par exemple telle ou telle chose, c'est qu'il me faut du pognon. Et généralement, j'ai très très peu de pognon. Donc je peux pas tout faire. Et en l'occurrence, là, pour avoir des gens, il me faut une salle du personnel, donc il faut que je paye. Pour avoir un ordinateur là-bas, il me faut de l'argent. Donc j'en ai un petit peu. Et une meilleure machine, c'est pareil, il me faut de l'argent. Donc je peux pas tout acheter, en fait. Moi, je veux bien, mais je peux pas. Du coup, ils veulent une salle de personnel. C'est combien, une salle? 500 balles, en plus. Allez, vas-y. Gérer les factations, ordinateur, gestion personnelle, vous pouvez trouver des tâches aux employés lorsque c'est un employé atteint 300 heures de travail. Ok. Donc là, il me refaut de l'argent parce que je suis pauvre là, 59$. On va aller voir combien coûte un employé. Et honnêtement, si je peux mettre l'employé à la boutique, ça m'irait fortement. Parce que j'aime pas la gestion de boutique, là, elle est trop bizarre, je sais pas pourquoi. Alors, ordinateur, gestion personnelle, paiement automatique quotidien, ouais, embauche. Je veux bien vous embaucher, mais vous avez pas de stats ou quoi que ce soit. Employé, Nema, repos. Tu vas aller à la caisse. Paiement automatique. Ok. Criminel, méfiez-vous des criminels de la route et les voleurs dans votre paiement. Ou tuer un de vous, quoi? Quoi? Attends, quoi? Il y a des criminels? Non. Attends, quoi? Je gère pas une simple station essence, motel et boutique, là? C'est quoi le délire? Non, c'est... Attends, ça veut dire qu'il y a un criminel, là? Non. Attends. Perdu. In heartbeat. Attends, il y a un criminel. Attendez, j'ai peur moi maintenant. C'est mon arme ça? Ah ouais, ok, d'accord. Bah ils font plaisir les gens là. Ah quoi que non, j'ai rien dit. Ok. Ah ouais. Il y a la police, elle est là pour nous aider, non? Mais du coup, ça m'inquiète votre truc là. Have a nice day.
That was fast. In a heartbeat. Ok. Alors attends, on m'avait dit... Ah, je peux pas récupérer ? Ah si. Attends. Voilà, ça... Ah ouais, mais je peux en prendre qu'un. Bon, tant pis. Ok. Il y a des criminels. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on... On rajouterait pas une petite étagère pour mettre plus de produits? Commander 22,1. That was fast. Vous savez que je m'inquiète là, je me dis punaise, je vais me faire voler. Je vais me faire voler mon entrepôt bientôt, moi. Oh, le déprime, elle vient de se faire larguer. 17,85$ et 0$, ok. Ça va, tout est correct, madame? Ok. Alors, gestion... Non, livraison... produit pour voiture? Non. Équipement... Non, produit voiture... Étagère. Big, c'est 4. Je peux en prendre un 4. Voir celui-là. $89. Alors attendez, on doit changer parce que c'est... On est d'accord. On va vendre ça déjà. Impossible d'installer l'un des produits dans le véhicule. Parce qu'il est trop grand, trop petit. Ah d'accord. Pourquoi bureau? Ah oh, oui, ok. Eh mais j'ai une chambre là à louer. J'avais pas vu. Oh, c'est dégueulasse. Ok, j'avais totalement oublié, excusez-moi. Excusez-moi. Waouh. Il va me tout me vider, lui. Tu vois. Fasten. J'avais commandé d'autres d'autres essences ou quoi? Amazing.
En fait, il faut deux personnes, quoi. Un à la boutique et un à l'essence, si je veux faire l'hôtel. You are lightning fast. 44$, je pense que c'est pour les le salaire. Du coup, alors il y a plein de choses à faire. Déjà, on va nettoyer tout ça. Ok. On va prendre ça. C'est quoi ça? C'est ma sirène, le chien qui hurle là ou... Great. Ok. Ensuite, on va prendre donc ça. Comment ça se fait que le drap n'est pas sale? Oh! Ok. Ok, ok. La serviette. Donc j'ai pas beaucoup d'argent pour acheter une autre... Une autre, comment ça s'appelle? Une autre grosse machine, donc... Ah punaise. Je l'avais quoi? Je pense que je vais mettre en pause la station essence le temps que je fasse le motel. Parce que je m'en sors pas trop là. Cool. Oui, j'arrive. Ouais, je vais couper parce qu'en plus il va falloir que je fasse une commande. Je vais juste laisser tourner la boutique vu que maintenant j'ai une caissière. Donc on va hop boutique. Non. Attends, t'es toujours gestion employé. Non, 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 retourne-y. Ah mince, je croyais que c'était ma caissière. Alors du coup, ça... Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'il fallait le camion, ok. Je vais le mettre comme ça. Non, comme ça. Ah ouais, je peux placer la dose là. Et mince. Non, en fait, non pas mince. Alors, cookies. Je me méfie.
trop cher. C'est pas grave. You are lightning fast. Alors, popcorn. Ok, ensuite. Ensuite, j'ai plus. Ensuite, j'ai autre truc cookie et truc rose, là, je sais pas quoi là. Ça. Donc en fait, je pourrais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres produits. Elle est pas mal cette étagère, j'aime bien. J'espère qu'elle va pas trop gêner. Au pire, je pense que... je vais... You are lightning fast. Je vais modifier un petit peu. Voilà. Pas mal là. Alors attends. On a 200 dollars. On a 200 dollars. On va récupérer tout ça. Et à mon avis, c'est dans la chambre numéro 1 que j'avais pas mis. On va se coucher aussi un petit peu. Chambre numéro 1. On va dormir pour récupérer un petit peu. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu de grabuge. Du coup, ici, qu'est-ce que vous m'avez dit qu'il faudrait? Après, on peut prendre de la déco et tout, mais bon. Ça, j'ai compris. Voilà. Voilà. Donc il me faut une porte d'entrée. Je pense qu'on va mettre que des noirs en porte d'entrée. Est-ce que je peux en commander deux noirs? Fait cher, hein. Impossible avec le véhicule actuel. Celui-là, ouais. Ah, vas-y. Qu'est-ce que je voulais, là? Je sais plus. Si, je sais. Alors... article de toilette, ça, ça va là. Ok.
Donc tout a l'air d'aller bien. Ah merde, mince, pardon. Voilà que je dis des chronos. Ok. J'ai rajouté une serviette dans la chambre double. On m'a dit que c'était faisable. Mais non, c'est pas faisable, j'y arrive pas à regarder. Voilà, faut que je la pose. Voilà. Is okay? Il y en a une qui donne beaucoup plus que l'autre, hein? Oh, attends, vas-y, on va te payer. Bon, du coup, je vais rouvrir la station essence. Le temps que la cargaison arrive. Et après, je louerai de nouveau les chambres. Et ensuite, je reprendrai la station. On finira la tâche actuelle. Et puis voilà. Pour tout à l'heure, je regarde s'il n'y a pas des méchants et tout. Hein. Le truc, il m'a fait un petit peu flipper. 16,6 litres, ok. You are lightning fast. Il est en avance d'une heure sur la livraison. C'est cool. Have a nice day. Have a nice day. Du coup, il n'y a qu'une chambre de disponible, l'autre. Je vais laisser la porte là. Ah bah non, je peux la prendre. Alors, tout est ok. Je dis, hein, je rajouterai des décos, tout ça, à la fin. Ok. Je sais qu'il manque une poubelle ici, hein. Mais j'apprendrai vraiment à la fin. Du coup, on va ouvrir le motel. Pour les deux chambres. Wow, 3. Oh. That is what I was looking for. Charmerai juste après. That was fast. Thank you. Thank you.
You are lightning fast. Je vais fermer la station essence. Livraison, carburant, donc il me faudrait 365 dollars, ok. J'espère que la voiture de derrière ne va pas vous demander un gros truc. Non, c'est bon. Thanks. Alors, le client au bureau. Je suis là. Alors, une chambre pour ces... Hop, ma chambre 1. Prenez cette chambre. Ah. Hein? Pourquoi il est pas prêt? Alors attendez. Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas prête? Il manque du papier toilette. Vous avez l'œil, madame. Vous avez l'œil. Une serviette au moins? Oui, une serviette. Alors du papier toilette. Papier toilette. On va prendre celui-là, tiens. Voilà, votre chambre elle est prête. Oui. 549,75$. Pas mal. Madame? Ok. Thank you. Vous avez atteint la fin du tutoriel, vous êtes libre de gérer de toute façon pour construire les urgences. Ok. Ok. Du coup. Hop. Hop, livraison, carburant, commandé. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de voleurs pour le moment. Thank you. T'es une voleuse? Ah, faut que je ferme le motel. Je vais faire le motel. Boutique pas mal, motel pas mal. Mise à niveau. Boutique pas, distributeur de carburant. Stockage de carburant, ce serait combien? 600. Ok. Pour une nouvelle chambre, ce serait combien? 500. Ok. Salle électrique, 2500. À parc de bus, on m'a souvent demandé 750. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Publicité, on m'a demandé 1000. Vous m'avez demandé plein de trucs qui coûtent une blinde, les gars. Moi, je veux bien, mais ça coûte une blinde. Moi, je pense qu'on va partir sur une autre chambre de motel. 500$. Mise à niveau. Comme ça, on va pouvoir tranquillement la faire. Ah ouais. La chambre de... la chambre du motel vient d'être construite, mais elle est déjà dégueulasse. Oui. Ok, pas de soucis. On va dormir. On va la nettoyer. Et puis... Et puis après, ben, on va s'arrêter là. Hein. Oui, bonjour. Have a nice day. Ah, merci. Bon, bah, je vais m'occuper de la chambre 3 avant. Chambre 3.
Alors, la chambre Jeanne Mas. Et pourquoi? Cherchons pas les gens, cherchons pas. Je pense qu'on va la pimper celle-là, ça vous va? On va la faire un petit peu plus pour gagner plus. On remarque que la prise elle est pas au mur et ça marche toujours. Et franchement ils me l'ont laissé en... Elle me l'a laissé en bon état. Hein. Elle me l'a laissé en bon état. Je suis étonné. Apparemment il y a encore un peu de saleté mais je vois pas où. Où c'est qu'il y a la saleté? Je suis aveugle ou bien... Pas mince. J'ai pas un radar pour voir la saleté. J'ai pas de radar pour voir. J'ai... Ok. Alors pour le coup, si vous voyez la saleté qu'elle a laissée, je suis preneur parce que là je vois rien du tout. Je suis sûr que c'est un truc hyper évident pour vous. Et moi je vois pas. Ah, la serviette j'ai ramassé. Je vais nettoyer de partout comme ça. Là je vois pas. Je vois pas du tout. On est d'accord, hein. On est d'accord qu'il y a genre un tout petit truc de saleté quelque part. Punaise. Bon, avant de la décorer, vous allez me le dire. Ah, attends. C'est ça? Non. Attends, mais je suis bête ou quoi? Ah sérieusement, vous pouvez... Je vois pas là. Je vois pas du tout là. Je suis choqué. Carotte.
Je vais faire un accident sur la route, moi. Comment dire, en fait dans ma tête il y a un truc qui va pas là, là du coup je suis omnibulé par ça. Là c'est propre alors que là non. Bah si, maintenant là c'est propre. Je comprends plus rien. Bon, du coup, moi, je vous laisse choisir ce que vous voulez comme chambre là. Genre une couleur précise pour les murs, ou je sais pas. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des chambres à thème? Je sais pas. Bah, dites-moi comment vous voyez la chambre là, et puis j'essaierai de la faire. Oh, la... Non, en fait, on va rester sur les chambres chères. Je vais la décorer à ma façon, on va faire des chambres chères. Là, on va faire de la décoration pour vraiment booster le... Le comment ça s'appelle? Booster le prix de la chambre. Faut vraiment qu'on les booste. 67 dollars, 27 dollars, ok. Il y a rien de crade. Oh! Oh l'argent elle est... Oh je savais pas. Heureusement que je fais gaffe. Voilà, donc en fait on est riche. Vous voyez que l'argent ça me mettait directement sur mon compte, mais non, pas du tout. Ok, c'est crade ici, pareil. Non, ok. Bon, bah, du coup, nous on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.